Est-ce que vous vous sentez, du fait de votre expérience cumulative très impressionnante, une responsabilité de nous rappeler? Je crois que oui. Oui, oui, moi aussi. Je crois qu'actuellement, oui, absolument. Et s'il y en a des grands-mères ici, là, pensez-y, s'il vous plaît, avec les enfants. Il faut absolument que les enfants soient instruits sur des faits et des événements. Ils ne l'auront pas s'ils continuent à aller vers un pouvoir médiatique facile, instantané. Je crois qu'il y a une éducation de la mémoire. Et des fois, je me demandais, madame, si ce que vous faites actuellement avec les adultes, est-ce que c'est encore nécessaire quand on voit que les enfants n'ont pas le culte très fort de la mémoire, ils ont le culte de l'instantané, de la rapidité, de l'événement vite. Et je me demande, c'est là, je me pose des questions devant ce que vous faites, parce que vous travaillez tellement bien et puis vous avez des résultats. Et je regarde la nouvelle génération qui n'est pas en état, madame, je réponds à votre question, qui n'est pas en état de se souvenir parce qu'elle est dispersée et la mémoire demande une certaine attention privilégiée.